الله دستوري كتاب الله دستوري وخير أن لي الله سبحانه وتعالى كرني لكم لسدوا وقول قولا سديدا proférez des bonnes paroles, dites des bonnes paroles, yuslih lakum a'malakum, et va parfaire vos actions, wa yaghfir lakum zunubakum, et vous pardonnera vos fautes, wa man yuti'a Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, car celui qui obéit à Allah, celui qui obéit à son messager, aura reçu de la plus grande réussite. Alhamdulillah, nous sommes toujours dans la lecture de notre livre « Explication de la parole de l'unicité » qui est « Sharhu Tafsir Kalimat al-Tawhid » de Cheikh Saleh al-Fawzan, Hafizahullah, qui est l'explication du livre du Tawhid, du livre de l'unicité. L'unicité qui traite de la croyance du musulman, du dogme que le musulman et la musulmane doivent avoir. Et nous avons déjà vu les deux premiers points. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième point, Inch'Allah Ta'ala. On demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala de nous faciliter. Donc, le cheikh dit Laysa al-maqsoudu qawla la ilaha illallah. باللسان فقط من غير فهم لمعناها لابد أن تتعلم معناها لابد أن تتعلم معنى لا إله إلا الله أما إذا قلتها وأنت لا تعرف معناها فإنك لا تعتقد ما دلت عليه فكيف تعتقد شيئا Tajhalou. Donc on note que le troisième point est sur le fait de prononcer la parole de la ilaha illallah sans en connaître le sens. Et le cheikh dit, il ne suffit pas simplement de prononcer l'attestation de foi avec sa langue sans en connaître le sens. Il incombe donc d'étudier ce qu'elle signifie. Il n'est pas pertinent de la prononcer sans en connaître le sens ni sans donner foi à ses enseignements. Comment peut-on donner foi à une chose que l'on ignore? Donc dans cette partie-là, il apparaît que la connaissance de cette parole-là avec ses implications, avec son sens, est obligée pour avoir une foi, une réelle foi en ce qu'on prononce, en cette parole de foi là qu'est la ilaha illallah. Il ne suffit pas simplement de la prononcer sur la langue tout en ignorant ses enseignements. Et le cheikh poursuit falabudda an ta'rif ma'naha hatta ta'taqida bi qalbika ما يلفظ به لسانك فلازم أن تتعلم معنى لا إله إلا الله أما مجرد نطق لسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئا. الشيخ يدي encore, il dit faut d'abord la connaître avant d'y adhérer. Il faut être convaincu au fond du cœur des paroles qui sortent de sa bouche. C'est donc un devoir de connaître la signification de la ilaha illallah. Il n'y a aucun intérêt à prononcer une parole dont on ne connaît pas le sens. Donc le musulman, la musulmane doit connaître ce que c'est que l'attestation de foi avant d'adhérer à celle-ci, avant de la prononcer, avant de prétendre qu'on est musulman. Et c'est pourquoi il est intéressant pour
ceux qui se convertissent, il est très important pour ceux qui convertissent les gens de d'abord les expliquer ce que c'est que là il est là, le sens de là il est là. Et suite à cela, s'ils acceptent d'adhérer à la foi, alors Allah ilhamd, les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est cette parole-là, les Arabes, les Mécois, ils connaissaient pleinement le sens de la ilaha illallah. Ils connaissaient les implications de cette parole-là. C'est pourquoi ils ne l'ont pas accepté du coup. Ils n'ont pas accepté cette parole-là à la première heure, facilement. Hein? Ils l'ont accepté après qu'ils aient réfléchi sur le sens. Ils ont pesé le pour et le contre, et par la suite, certains d'entre eux ont décidé d'adhérer à cette foi. Donc, cette parole-là, il n'y a pas d'intérêt à la prononcer sans connaître le sens. Il n'y a pas d'intérêt à témoigner de la ilaha illallah sans savoir ce qu'elle implique. Kalam de la bonne compréhension. Et le cheikh, il poursuit. Il dit أيضا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق لساني بل لابد من عملي بمقتضاها. Il dit on a parlé dans le premier paragraphe du fait de connaître ce que veut dire la ilallah, de connaître le sens de la ilallah et d'avoir une foi ferme en cela. Mais le cheikh dit que cela ne suffit pas. Il dit, de plus, cela ne suffit pas. De donner foi avec le cœur et de la prononcer avec la langue. Il dit plutôt, mais il incombe, en plus de cela, de mettre ses enseignements en pratique. Hein? Après avoir prononcé la ilaha en connaissance de cause, après avoir eu foi hein, dans son foi intérieur aux implications de la ilallah, après l'adhésion à cette parole là, il faut faire suivre cela de la mise en pratique, c'est à dire mettre en pratique les enseignements de la ilallah, mettre en pratique les implications de la ilallah, s'éloigner de tout ce qui peut détruire cette attestation, de tout ce qui peut rompre avec ce témoignage-là. Il faut s'en éloigner. Et ça, on appelle la mise en pratique de la ilallah. Pratiquer les enseignements qui ressortent de cette attestation et s'éloigner de tout ce qui peut nuire à notre foi. Que tout ce qui peut contredire la ilaha illallah. Et pour ce qu'on dit, وذلك بإخلاص العبادة لله وترك عبادة من سواه سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل ليست كلمة لفظ فقط. Et dit donc, Il dit donc cela consiste, consiste à vouer l'adoration exclusive au Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, et de délaisser toute adoration vouée à un autre que lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc, pour résumer cette partie, l'attestation de foi réclame donc trois choses, de la prononcer, de la connaître et de la mettre en pratique. Donc là, il est là. Quand tu donnes là, il est là. C'est trois choses. D'abord, tu dois prononcer la parole. Tu dois connaître ce que tu as prononcé. Et tu dois mettre les enseignements de cette parole-là en pratique. Et ça, il poursuit, il dit... Il va nous parler de l'état d'un groupe de musulmans
concernant cette parole de la ilaha illallah. Il dit amma al-murji'atu fahum yaqulun yakfi at-talaffudhu billa ilaha illallah aw yakfi at-talaffudhu biha ma'a i'tiqadi ma'naha wal-'amalu laysa bilazimin. Il dit au sujet de ce groupe-là, qui sont les Murjites, les Murji'a, ces personnes-là, ils disent que, à leurs yeux, la ilaha illallah, il suffit simplement de prononcer la parole de la ilaha illallah. Ou encore, dans le meilleur des cas, en plus de cela, de donner foi avec le cœur en cette parole. Mais en ce qui concerne les actes, ce ne serait donc pas nécessaire. Donc pour les Murjites, ils acceptent que le musulman, la musulmane, elle prononce la ilaha illallah. Ils acceptent aussi que le musulman, la musulmane donne foi en la ilaha illallah. Mais pour eux, le fait d'agir, le fait de mettre en pratique les implications de la ilaha illallah, pour eux, ils voient que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, quel est l'état de ces personnes? Comment l'islam voit ces personnes-là? Le cheikh qui poursuit pour dire, Man qalaha walaw lam ya'mal shay'a min lawazimha huwa min ahli al-jannah walaw lam yusalli walam yuzakki walam ولم يحج ولم يصم ولو فعل الفواحش والكبيرة والزنا والسرقة والشرب وشرب الخمر وفعل ما يريد من المعاصي من المعاصي. Et donc cela, les Murjites, selon eux encore, Il suffit de prononcer la ilaha illallah pour être compté parmi les habitants du paradis. Quand bien même on ne se conformerait pas aux exigences qu'elle réclame, aux implications de la ilaha illallah, comme la prière, l'aumône légale, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, en délaissant ainsi toutes les bonnes actions. Puis encore, quand bien même on commettrait tous les péchés du monde, l'adultère, le vol, l'alcool, etc. Donc pour les Murjites, si tu dis la ilaha illallah seulement, tu es compté parmi les habitants du paradis, même si tu ne fais aucune adoration, même si tu ne mets en pratique aucun pilier de l'islam, même si tu commettais le pire des péchés du monde, pour eux, le simple fait que la personne a prononcé la ilaha illallah, cela compense tous ces manques-là. Cela est un argument, ou bien cela compenserait toute cette négligence, toute cette désobéissance à leurs yeux. Donc pour les Murjites, il suffit de prononcer la ilaha illallah pour être parmi les gens du paradis. Le cheikh dit encore, وَتَرَكَ طَعَاتِ الطاعات كلها لأنه تكفي لا إله إلا الله عندهم هذا مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إن جاء فبها
ونعمة إن جاء فبها ونعمت وإن لم يجي فإنها تكفي لا إله إلا الله وعندهم ويستدلون بأحاديث تفيد أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. Le cheikh dit, cette tendance qui est celle des murjites exclut les actes de la définition de la foi. Les actes seraient un plus, mais la ilaha illallah étant à même de les compenser. Et pour appuyer la thèse, il s'inspire de certains hadiths faisant entendre que la ilaha illallah était la clé du paradis. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصر على هذه الحديث فالرسول صلى الله عليه وسلم له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث ولابد أن تجمع بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده إلى بعد لا أن تأخذ منه طرفا وتترك طرفا. Il dit le fait que celui-là il s'appuie sur le hadith du Prophète sallam qui dit celui là là il est la clé du paradis. Il dit mais le Prophète sallam ne s'est pas contenté de dire ses propos sur ce hadith là. Il existe d'autres hadiths qui viennent restreindre le sens général que dénotent les premiers hadiths. Il incombe donc de réunir les textes tous ensemble, non d'en prendre qu'une partie et de mettre les autres de côté. Il est impératif de concilier ces textes afin de pouvoir les expliquer et les appréhender dans toute leur clarté. C'est le propre des égarés de ne piocher qu'une partie d'entre eux, ceux-là même qui s'attachent aux versets ambigus en vue de semer la discorde et de les interpréter à leur façon. Surat Ali Imran, verset 27. Donc, dans ce deuxième paragraphe-là, le cheikh il dit que le murjit, il s'appuie sur un hadith pour dire que quoi, si tu dis la ilaha illallah, tu es au paradis. Même si tu n'as pas œuvré, même si tu œuvres en mal, que tu es au paradis, que là, il y a la compense tout ce que tu fais comme mal. Et si tu viens avec les bonnes actions, alhamdulillah, mais néanmoins, même s'il n'y a pas de bonnes actions, là, il y a déjà te fait rentrer au paradis. Il dit, c'est être injuste au fait, parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté seulement d'envoyer ce hadith. Il y a d'autres hadiths dans ce sens. Donc, le cheikh il dit, il incombe aux musulmans de réunir en tout tous ces hadiths-là afin de pouvoir comprendre ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam voulait nous dire sur l'importance de la ilaha illallah. Et le cheikh va critiquer ce comportement-là. Il dit ce comportement est le comportement de ceux dont Allah s'en parle dans le Coran lorsqu'il dit ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله. Il dit que Allah parle de ces personnes. Et c'est les personnes qui, eux là, ils s'attachent aux versets ambigus en vue de semer la discorde et de les interpréter à leur façon. Donc, les choses qui sont claires, ce genre de personnes comme les murjites là, eux, ça ne les intéresse pas. Parce que tellement c'est clair, ils ne peuvent pas apporter leur idée, leur manière de voir là-dedans. Mais c'est tout ce qui est ambigu, tout ce qui a besoin d'explication là, c'est ça, ils vont faire sortir et puis ils vont interpréter cela à leur manière. Alors qu'il y a des versets, il y a des hadiths qui sont clairs, qui viennent expliquer cela aux musulmans. Mais eux, ils ne veulent pas de cela parce que simplement, ils veulent apporter
l'idée dans la religion. On doit se prendre de nous accorder la bonne compréhension et de nous faciliter la mise en pratique. Donc, dans le prochain cours, nous allons poursuivre toujours avec le troisième point et donner d'autres détails à ce sujet. On doit se prendre de nous accorder la bonne compréhension ainsi que la mise en pratique. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين